Là, élection, là, il y a un comptage qui commence à faire dans le centre de vote. Il y a plusieurs États qui commencent à venir là de temps en temps. Parmi eux, Kentucky, James O'Dilly, côté que Donald Trump lead. Bon, c'est normal parce que son État, son côté républicain, est dominé. Maintenant, vous pensez que l'élection a fini là et puis n'a pas de résultat, tout va être tranquille parce que il y a un ticket sauté, oui, là, par rapport à ce qu'a dit. Il y a un monde qui pensait que, à l'arrivée demain, on m'a obligé pour y aller dans la rue. Hein. Ou bien tu as inquiétude ça tout? Voilà, Kayo? Non, j'ai deux m'appelles. Premièrement, je vais mettre un caveat. Ça veut dire que je vais mettre aussi attention avec ce que je parle. Premier résultat, nous, c'est surtout on fait de petites zones, alors county. C'est comme si nous avons ces sections rurales, à bail. Donc, ces zones, sections rurales ou des zones rurales, à bail. Le plus souvent, les républicains sont devant. Et c'est pourquoi, grande quantité dans l'État qui est Kentucky, Indiana, malgré cet État rouge, normalement, nous sommes rouge. Parce qu'en partant, Kamala Harris partit avec 229 votes électoraux probables, et Trump partit avec 219. Ça veut dire que le conseil de l'État rouge, il y a toujours rouge, mais l'État bleu, il y a toujours bleu. Ça qui a pris le plus de cette différence-là, c'est ça, le swing, c'est sûr, ou bien. Battleground section. Non. Puisque le sondage officiel le montré par la tête pour tête, même pas quoi ça, pour ça, parce que le sondage a marqué likely voters. Ça veut dire que les gens qui sont enregistrés dans l'élection 2020-2022, c'est sur eux, ils ont fait le sondage. Mais ils n'ont pas pris en considération l'effervescence qui vient avec l'apparition de Kamala Harris côté contact. C'est les gens qui disent eux-mêmes. Il n'y a pas de gens voter après le voter, ou bon monde qui dit qu'il n'y a pas de voter, jeunes dans l'université, etc. Donc, moi, je me rétais quoi pour l'élection Kamala Harris capable de gagner parce que son sondage n'a pas bâillé une réflexion à vraiment adéquate ou si vraiment accurée, en anglais, de situation réelle. C'est vrai. Pourtant, il s'est capable de gagner si l'élection passe ou bien pour Trump, ou bien surtout contre Trump. Depuis le tweet a sorti, m'ab dit tweet, mais m'ab dit na ex, côté Proud Boys yo, et font tweet, côté yo dit que nous-mêmes nous parlons. Uniforme nous sur nous, ça nous huile, nous gen balle là-dedans, nous mettons sur le lac, et puis nous juste pour prendre la ria de bichon pas gain. C'est ça. Au point de qu'on gagne un attorney général là, c'est dans la zone. À Philadelphia. Philadelphia qui dit. Eh bien, je me donne dans l'équipe propose milicien là qui dit qu'il y a une là, il y a une fête des autres. Eh bien, c'est ça me garde une famille, elle fait rendre là. Et là, comme je dis, c'est de votre monde. C'est clair, c'est clair. On va se pour le vote. Souvent là, on a mis, et pour nous deux États-Unis, il y a non seulement mobilisation de la police locale, par le city, il y a mobilisation de la police de l'État, dans chaque État. Plus, il y a mobilisé entre 10 à 30 000 soldats de la garde nationale, au moins à c'est 400, pour le mettre sur eux. Ils ont barricadé toute cette capitale et ils ont barricadé Saulo DC area. DC area, c'est même que le Washington DC, c'est même la capitale fédérale là. On passe devant Maison Blanche, on peut le barricader, on passe devant Capitole, on peut que. Et congrès, on pourrait que les barricadés et tout le pile business, surtout dans le grand boulevard, barricadés parce que espérer que, premièrement, il y a deux barricades à battre. Si tu as bien, next à 27, il y a tiré en l'air, même dans les marques de fond de la barre. C'est grave, oui. Si tu as perdu, à n'importe 10 000 à 20 000 monde qui pourra le fêter dans Washington pendant que Proud Boys a pris la riade. C'est vrai. Là, bah, la gen doit déblouser et le, nan kasa yo, le sa oblige à prier pour pas gagner un déclenchement ou une guerre civile dans le pays, malheureusement. Et Fomzo, alors, ça te dit tellement vrai, bon, fait mon yotan de ti extrait ça, côté que gen Anthony, ça qui est dans le district ça, Philadelphia, on a parlé de Larry Krasner. Monsieur Kless ou ça, le bon bras, monsieur. It's time to play militia. F around and find out. Anybody who thinks it's time to insult, to deride, to mistreat, to threaten people, F around and find out. We do have the cuffs, we do have the jail cells, we do have the Philly juries, and we have the state prisons.
So if you're going to try to turn an election into some form of coercion, if you're going to try to bully people, mm-hmm. bully votes or voters, you're going to try to erase votes, you're going to try any of that nonsense, we're not playing. F around and find out. Oui, mais ça. Non, clair. Vous avez perdu vous? Oui, allez non. Allez non, Bla. Monsieur dit, la juridiction parle là, les capes sous amni. Clair. N'importe nek qui vient passer là, la pape sans. Sous quoi une menti, vin faire rançon là, et puis c'est même cadavre là, va qui dévasse. Eh ben, le biscadé. Monsieur dit, pas qu'il n'y a qu'à venir déranger là. Donc, si n'a pas connu, prison li là, li disponible, tout bas là. Donc, pas un problème du tout. Sauf que l'élection doit passer correctement. Donc, personne, nous pas d'accord, personne vient perturber. Eh ben, élection là. Donc, c'est monsieur, son déclaration muscadin de monsieur Lagué là, est clair. Non, je ne sais pas la muscadin, même pour ça, parce que vous connaissez moi-même, je suis un peu raide de philosophie muscadin. En tout cas, professeur, franchement, Nathan, parce que j'ai plusieurs baroudis là, vous souhaitez que nous comprenions, parce que comme professeur, vous expliquez la réalité en deux personnalités. Yo. Nan tous les deux cas yo élection à la patte élection historique qui ça nous même peuple haïtien ka attend en pile moun j'aime te dire c'était toute dernière question m'a poser en pile haïtien pense que si Donald Trump ou bien Kamala bon ou plus en pile qui vote Trump c'est pour ça ou pense que si Donald Trump bon ça capable yon point important pour Haïti qui compréhension sur ça. Bon, et comprenant ce que vous avez dit, c'est un subterfuge. C'est-à-dire que j'ai recouvri pour ne pas avoir une vraie opinion. En plus, le monde qui, à la fois pour Donald Trump, et puis utiliser le programme Biden pour faire mieux entrer. Ça, c'est une. Deuxièmement, l'office fait mon entrée, il voulait mon entrée sujet à eux-mêmes, à la volonté. Puisque le monde cherche pour l'indépendance de l'office d'entrée, et puis il oublie mon salle, ça, c'est celle de Donald Trump pour vivre retourner. Parce que le pape a fait diaspora dans le pays de l'autre conseil. Donc, en plus, nous avons propagé Donald Trump. Moi-même, je suis pour Donald Trump. Parce que si Donald Trump dit qu'il descend taxe, tout le monde dit plus ou moins, je suis moi, je ne suis pas riche. Mais quand même, je suis pas riche. Après, je suis mort de guette sur le monde. Je suis mort de la lame. Et puis, nous avons fait de boost financier par Boris Tite, stack and bonds, etc. C'est grand équipement, je n'aime pas mes grands équipements, mais ma bonne babouche. Le rapide, je ne peux pas parler de Donald Trump, je ne peux pas être là, je ne peux pas même dans la situation pour bénéficier de Donald Trump, pour le dire. Parce que c'est légal à tout Américain, je ne peux pas dire ça. Ou même si aux États-Unis, tout le monde est légal. Élection ça, année ça 2024, là, il y a 15,9 milliards de dollars qui sont déjà dépensés. Wow. En 2020, il y a 15,1 milliards de dollars. Sans compter ça que le PAC, c'est Political Action Committees. Ça veut dire que c'est des comités d'action politique qui sont là pour propager le message à tout comme que vous gagnez, parce que la Cour suprême a le droit pour faire ça. De façon, on mesure que vous dites que ça fait partie de la liberté d'expression au monde. Par exemple, on regarde pour nous de Bloomberg, il fait Kamala Harris cadeau 42 millions 724. 42 millions 326 784. Ouais, Adelson Miriam by Trump 137 millions 385 000. Ça veut dire que ou bien dans la quantité comme vous voulez avoir un pack, j'écoute l'argent qu'a fait dans l'élection. Après, mon gars, oui, vous votez pour un tel ou d'ailleurs des communautés, des pays. Vous avez besoin d'Haïti. Chercher un pouvoir économique ici, ça veut dire, moi-même à tête avec 50 autres, nous avons mis ensemble, nous avons un business. Dio ça avant. Et puis, business a retiré comme pour le bain en PAC, ça crée un agenda pour les politiciens, mais agenda ici sur les médaux. Claire. Tout ce qu'on a parlé, taille-poids, on a prêté comme taille-poids quand on a besoin, qui c'est Giuliani qui a besoin de bosser dans. Parce que vous faites toutes ces licences, vous faites toutes ces appartements dans Manhattan, sous qui est-ce que vous sous Haïtien. Donald Trump a dit 22 ans, Grien, sous Haïtien. Moi, elle est le moyen pour tout le monde. C'est vrai. Vous correct.
si nous voulons l'État fait internat, nous, parce que si vous dites d'accord pour vous 300 000, 500 000, Haïtien tourne, parce que Dominique a voué Haïtien tourne, Bamé a voué Haïtien tourne, Jamaïque a voué Haïtien tourne, vous dites dans chaque gain là, où tu as un même monde, ça a aidé mon yobde pour tourner en bas bouche, théoriste ça yo qui nan villa d'accueil avec ça dans la ria ou son monde qui méchant. Eh ben professeur Herbert Joseph, mon cher, merci infiniment. Me souhaiter que une prochaine fois. Me souhaiter une prochaine fois nous arrêter sur dossier politique là en Haïti. M'gen pour m'inviter pour nous faire un petit parler. Pour aborder politique en Haïti, crise qui a passé dans le pays, mais je dis à l'intérieur, concentré sous affaire élection États-Unis. Merci franchement, parce que tu n'as pas refusé lorsque tu es la dernière minute pour te faire parler avec nous. Merci infiniment. Et public là, toutes amis honnêtes, auditeurs, auditrices, toutes fanatiques, internautes, je vous remercie parce que tu es mettre disponible pour te faire parler avec nous à soir. Président, 34 chefs d'accusation jugés coupables. Deux procédures en destitution. Trump suit logique système jusqu'au tel qu'il aller. Et puis Trump dévoilé que la Bible ne fait pas le moine que les États-Unis passent à mon pensée. Parce que c'est pas normal pour nous qui ait 26 femmes qui disent monsieur violé. Gain une monsieur dit c'est menti parce que femme dans tellement l'aide dit pas faire bail comme ça, fait signé monsieur en diffamation. Gain qu'on a Trump doit mademoiselle 183 millions de dollars. Trump jugé coupable que le fraudé l'État de New York de 450 millions de dollars dans valuation pour taxe sur propriété bâtie. Trump fait une insurrection contre les États-Unis. Son monde qui immoral pendant madame ni enceinte. Monsieur al, excusez-moi, al fait rapport sexuel avec un vedette pornographique et puis le fille a menacé pour dévoiler ça. Quelques jours avant les élections, monsieur rangé pour avocat le pays fia 130 000 dollars. Trump dit, si on veut d'être l'habitué, prend femme, dans la partie intime, comme si on veut d'être, quitte le fait ça. Monsieur dévoile dans une vidéo. Dans le temps aux États-Unis, un monde qui t'a dit bagay ça, qui t'a fait ça, tu en fais. Si Obama fait bagay ça, Obama pas t'a privé à 30 lieues près de la Maison Blanche. Donc son bagay qui est extraordinaire, le phénomène Trump. Vous comprenez ça fait ça? Premièrement, son réaction contre l'élection d'Obama. Côté nèg ça a sauté pour le président, bon blanc, comment ça a affirmé. OK? Donc Trump a en prison le président. Trump a gagné. En passant, le 26. OK, alors ouais, nous va aller dans des meilleurs de la femme printemps me répondre. Regardez, le 26, Trump supposé sentence. On dit juge New York là mettez Trump dans prison. Pas gon procédure pour dire juge là dit Trump pral en prison. À moins que Trump gagne un appel, il va en prison même quand le président. Mais c'est la loi est dure, mais c'est la loi. Yo jeune Trump coupable, yo jeune Trump coupable avant élection. Juge là pas de passer sentence là uniquement parce que Cour suprême n'a pas pris une décision et puis juge là dit puis on pas dit la peine interférer dans les élections. Li prolonger jusqu'au 26. Si le 26 juge la sentence Trump en prison, Trump va faire appel. Si ton père dit appel, il faut aller en prison. Ce qui va se mettre personne en prison, si tu parles en prison. Si l'élu aujourd'hui comme président des États-Unis, le 26 sur sentence, il faut aller en prison. Bon, si juge la décide, il faut aller en prison, il faut aller en prison. Ce n'est pas l'homme qui prime aux États-Unis, c'est la loi. Bien que oui, Trump, qui est le premier ex-président qui est dans la situation, ça. Monsieur, désaccès système non et d'ailleurs son déréliction grave pour permettre monsieur pas sentence tandis que si était moins citoyen américain qui était dans problème ça t'a sentence déjà mal en prison bal en prison mais comme monsieur son ancien président non son ancien président non mais quelle histoire non la loi est égale pour tous son bagage m'a pas prendre pendant 62 ans là nous regrette tout ça me dégain même m'a dégager moins riche c'est l'argent qui fait monde le marché tandis frère. Ou besoin de respect dans le monde là. Ou besoin de belle machine. Ou besoin de mesdames Yogado. C'est l'argent qui fait le monde dans le marché. Tant de frère. Lorsque l'argent, ou fait sauver dans le monde là. Presque. La loi, tout ce qu'on a fait pour Trump là, au niveau pénal. Juste parce que l'argent. Pas aucun autre citoyen qui a joué ça.
Mais l'establishment des États-Unis fait que Trump, en tant qu'ancien président, bénéficie d'une dérogation spéciale qui montre que les États-Unis passent au pensée à. La justice à deux vitesses. Si c'était moins bien, le président américain me prison déjà. Monsieur, où est le président des États-Unis, va dévoiler des grands secrets du pays? L'homme de département d'État me fait ça, ou t'as prévoqué. Et me d'avoir en prison. Selon la loi sur l'espionnage, haïtien qui n'a pas gambé Biden, il y a une raison pour gagner crainte si Trump gagne. Déjà, Biden dit la campagne programme humanitarian power là. Il dit après 2 ans, la campagne. En principe, ça veut dire, faut tourner dans le pays où. Sous c'est Nicaragua, oui, faut aller Nicaragua, sous ce qui est faut tourner Cuba, soit haïtien, faut tourner Haïti. Donc, il a déjà dit la campagne. Quitte les Kamala, quitte les Trump. Si c'est Kamala, ou bon chance soit haïtien ou cal dans TPS là. Si c'est Trump, ou pas, ou ka bagay chance ça parce que Trump ka campé TPS là tout. Sauf que laisser faire en 2020 ça pas marché. En 2021 ça pas marché. Moun al nan tribunal, heureusement ou gen de cause. Donc si Trump gen assoué ou son immigrant qui illégal ou bien qui pas en situation légale, qui pas gen résidence on dit. Ou gen réfléchi pour réfléchir. Immigration vient au sujet de droite jodi à côté même les démocrates obligés ont tijan adopter restriction yo parce que Kamala Harris gagne. OK, dès le 20 janvier, il va commencer préparer campagne réélection en 2029. Donc, il va mettre nous ces restrictions sur immigration. Si Kamala gagne, Ukraine a très content parce que les États-Unis va continuer à essayer aider Ukraine. Si Trump gagne, il dit deuxième joie a bien la paix. Alors pas qu'a fait ça non, mais livre le dit. OK, sauf ça que tu voté déjà, les États-Unis pas bailler Ukraine support encore. C'est fini. Son équipe pour Vladimir Poutine pour lui-même question stratégique n'a vienne parler que pour vaincre la Russie, l'Ukraine vaincre la Russie important pour les États-Unis, monsieur pas contre bagarre comme ça. Monsieur pral retirer soutien que le bailler Ukraine. Monsieur pral faire payer net autant yo et river dans niveau pour payer au moins 2% de leur PIB. Pour assurer leur défense, il va dire les États-Unis pas continuer à faire bagarre ça. Monsieur pral essayer révoquer un paquet de fonctionnaires civils pour mettre des monde qui fait politique. Que lui-même qui a acquis à sa cause, monsieur veut mettre une taxe de 60% un tarif de 60% sur bien chinois, produits chinois qui rentrer dans pays. Si monsieur fait ça fait une guerre commerciale parce que les États-Unis et la Chine c'est deux grands partenaires commerciaux. OK? Qui donc ça va cause une inflation aux États-Unis parce que ta qui signifie tarif monté moun ka acheter et bien ça yo et cap distribuer faut augmenter prix à tout prix consommateur va augmenter ça va causer une inflation. Si Kamala Harris gagne, Kamala Harris a moins enclin à mettre un tarif à 60%, li moins protectionniste. Et si Kamala Harris gagne, li pral laisser aider moun de classe moyenne yo, surtout dans situation logement parce que le prix du logement extrêmement élevé aux États-Unis, excessivement élevé aux États-Unis. Mais si Trump gagne, les États-Unis pral prendre un virage à droite net. Monsieur pral arriver jusque dans les limites du pouvoir présidentiel.